Une délégation de l'Union européenne conduite par Francesca Di Mauro en visite de travail à Boaké. La diplomate européenne en Côte d'Ivoire est venue s'imprégner des projets cofinancés par son institution dans la commune, notamment le projet Boaké Ville Durable, un engagement de programme qui se décline en plusieurs axes d'action relatives à la lutte contre les aléas climatiques. En acceptant la soumission de Boaké pour le projet dénommé Boaké Ville Durable dans votre institution, vous avez permis à la commune d'entrer dans une phase décisive de son engagement écologique et social. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération Union européenne-Côte d'Ivoire, la délégation visite l'un des sites du projet Energo à Boaké, un projet d'environ 15 milliards de francs CFA financé par l'Union européenne qui vise à l'accroissement de l'accès au secteur électrique par le renforcement et le développement des réseaux de distribution en milieu urbain et périurbain dans les villes de Boaké et de San Pedro. Les projets qui donnent de meilleurs résultats, d'où la satisfaction de la diplomate européenne. C'est un projet très important que nous avons financé à Boaké et aussi à San Pedro. C'est un grand projet d'envergure qui s'appelle Energos de l'Union européenne, évidemment en collaboration avec la Côte d'Ivoire, pour vraiment distribuer l'électricité aux foyers. Et ce qui était intéressant ce matin, c'est de voir d'abord ces équipements qui fonctionnent d'une manière très moderne, des équipements très vraiment à la pointe dont bénéficie ce site, et puis de voir que beaucoup plus de ménages que ce qu'on pensait ont finalement bénéficié de ce projet. La délégation de l'Union européenne s'est aussi rendue dans quelques ménages de la ville qui utilisent des foyers améliorés non polluants. Un planting d'arbres à la mairie de Boaké a mis fin à la visite de l'ambassadrice de l'Union européenne, 3 mois après sa prise de fonction en Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne est de plus en plus tournée vers l'entrepreneuriat. Source d'autonomisation, de développement et d'indépendance financière, ils sont nombreux ces jeunes qui aspirent à un avenir axé sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est très important pour la jeunesse parce qu'elle peut permettre à toute personne, étant jeune après sa sortie de l'université, de pouvoir entreprendre quelque chose, ainsi de pouvoir être indépendant. Il ne faudrait pas que la jeunesse ivoirienne ait peur d'entreprendre. On doit éviter les histoires de compter toujours sur l'État. L'emploi se crée. Et l'emploi peut se créer une idée que l'étudiant a une formation de base, il peut se confier à une entreprise de tutelle de la même filière que lui, de la même formation que lui, ou du même secteur d'activité, faire des propositions pragmatiques qui pourraient les intéresser et œuvrer dans le même sens. En réunissant ces jeunes, l'ONG Jeunesse Active, dynamique et entreprenante met l'accent sur la sensibilisation et fait des plaidoyers autour du thème « L'entrepreneuriat catalyseur d'émergence ». Par cette action, l'ONG JAD veut faciliter l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Nous voulons donner l'envie à un jeune d'entreprendre. Ne pas tout le temps compter sur l'État va faire, ou bien tel parent va faire. Non, toi-même tu peux déjà entreprendre. Même avec le minimum, tu peux entreprendre. Tu peux créer une activité de tes propres mains. Avec 20 000, 30 000 francs, tu peux débuter une activité. Donc on veut permettre aux jeunes de sortir de l'oisiveté, qui, je dirais, qui est un mal même qui gangrène nos communautés. Le thème choisi a été évalué sur 2 aspects, à savoir l'entrepreneuriat et l'insertion socio-professionnelle, ainsi que l'utilisation du digital pour accroître sa visibilité. Sortis de la 40e promotion de l'Institut national de la jeunesse et des sports, ils sont 1089 nouveaux fonctionnaires qui constituent cette promotion baptisée Lassina Ouattara, conseiller spécial du président de la République. Après 2 années de formation, ils sont heureux de mettre leurs connaissances au service des apprenants. L'INJS nous a donné les outils qu'il faut pour que désormais nous rentrons dans le monde du travail. Nous sommes aujourd'hui très heureux parce que nous sommes outillés, n'est-ce pas, dans notre domaine d'activité, de pouvoir servir le pays, de pouvoir servir la Côte d'Ivoire. Représenté par son directeur de cabinet, le ministre des Sports, Dan Opolin, encourage ses nouveaux fonctionnaires tout en les incitant à faire preuve de probité et de rigueur sur le terrain. Nous comptons sur vous pour relever tous ces défis. Beaucoup de choses vous attendent. Mettez-vous au travail, faites preuve de probité dans toutes vos actions. Mettez-y
de la morale. Cette 40e promotion est composée de 645 maîtres d'éducation permanente, 145 maîtresses d'éducation permanente et 344 maîtres d'éducation physique et des sports.